Bonjour, je suis la reine Diambi Kabatuswila Chiyomwata, Mukalinga Mukajiwanka Shama, Bapaluntu, du Kasai Central, la République démocratique du Congo. Donc, je suis femme roi de l'ordre du léopard, des Benachiamba, des Bapampungu, qui sont du peuple Bapaluntu, qui sont de l'ethnie Luba, du Kasai Central, en République démocratique du Congo. Parlez-nous de votre couronnement en RDC. J'ai été couronnée en RDC en 2016, le 31 août 2016, à Machala et Bakwalindu, dans le Kasaï central. Je suis donc d'une famille de lignée royale. Mon arrière-grand-père est le roi Chiyomwata. Et à ce titre, je suis descendante de ce roi. Et aussi avec le même nom que mon arrière-grand-mère qui était la reine Diambi, mon peuple m'a demandé et m'a reconnue comme étant celle qui devait porter la couronne de la tradition. Donc je suis Mukalinga Mukajiwanka Shama, ça veut dire que je porte la tradition donc de notre peuple et je suis une ambassadrice, un petit peu une ambassadrice culturelle pour notre peuple. Alors en 2017, j'ai été intronisée à l'ordre du léopard par les chefs de Bapaluntu du Kasaï central à Kananga le 15 juillet 2017. Quelle est la mission que vous vous assignez en tant que roi? Je suis donc femme roi et ça impose en fait une rigueur pour représenter les valeurs ancestrales et traditionnelles qui est notre héritage culturel. Donc pour moi, l'important c'est d'aller dans le monde et de parler de cette culture Congo qui est une culture extraordinaire et primordiale, qui est le soubassement de toutes les civilisations qui existent sur la planète et qui est donc l'origine des civilisations du monde, et de parler fièrement de l'héritage que nous ont légué nos ancêtres Congo. Et pas seulement Congo, bien sûr africain, puisque je vis dans le monde entier et très souvent je suis la seule représentante donc de cette tradition africaine. Donc je suis un peu comme une ambassadrice culturelle de la culture traditionnelle du pays. Je veux par là utiliser mon pouvoir pour mettre en valeur ce qu'on a reçu de l'héritage de nos ancêtres. La culture, c'est un peu tout. C'est pas seulement le folklore, la musique, c'est pas seulement les objets d'art et autres, mais c'est aussi une façon de penser, une façon de réfléchir. C'est aussi une façon de valoriser nos connaissances qu'on a acquises depuis plus de plusieurs millénaires. C'est aussi une façon de voir le monde. Donc mon objectif, c'est d'aller vers les autres, de parler de cette culture Congo, de parler de cette culture africaine avec fierté, de montrer qu'elle a encore sa place aujourd'hui dans le monde, peut-être même plus qu'avant, et qu'elle a aussi une importance pour réconcilier la famille africaine dans le monde, puisqu'il y a une diaspora énorme d'Africains dans le monde, de près de 300 millions d'Africains qui sont d'une descendance, de la descendance historique de l'Afrique. Et il est important de leur proposer donc une porte d'entrée vers l'Afrique par les traditions de leurs ancêtres qu'ils ont laissées ici en Afrique lors du trafic d'êtres humains qui a eu pendant plusieurs siècles. Donc il est aussi important pour les Africains qui sont sur le continent de montrer que notre culture n'est pas à jeter, au contraire, elle a énormément d'intérêt, surtout dans la restructuration de nos institutions et de nos sociétés. Donc il est important d'inclure dans l'enseignement de nos enfants l'histoire de nos peuples et aussi leurs valeurs et donc leur histoire, leur culture. Parle-nous de vos couronnements au Panama et au Brésil. En 2019, j'ai été couronnée comme reine des afrodescendants du Brésil, donc avec le titre Grande Mãe do Povo Bantu Brasileiro, donc grande mère du peuple bantou brésilien. Alors j'ai travaillé au Brésil et je travaille encore avec différentes communautés d'afrodescendants et je fais un travail justement de restructuration de l'identité africaine pour la réconciliation donc de cette identité qui a été un petit peu bafouée pendant pas mal de siècles avec l'esclavage, la colonisation et maintenant toujours les séquelles de ces expériences qui restent encore actives dans nos communautés partout dans le monde. Donc je parle souvent et je vais dans les universités, dans les différences interculturelles, dans les communautés pour non seulement reconnaître qu'ils ont toujours porté les valeurs de leurs ancêtres parce qu'ils ont gardé
beaucoup de traditions de leur père, mais en plus de ça, de les encourager à aussi venir sur le continent pour réinjecter une partie donc, de la créativité qu'ils ont eue pendant des siècles à se réinventer comme nation africaine d'outre-mer. Donc c'est un travail que j'ai fait avec le Brésil et que je continue de faire. Et juste récemment, en 2022, le 24 mai, j'ai été couronnée comme reine des Afro, des Congo descendants du Panama, donc des descendants historiques Congo du Panama, donc des descendants africains qui se revendiquent d'origine Congo, qui ont gardé aussi ce lien avec le Congo par leur culture, par leur artisanat, par leur art, par leur musique, par leur nourriture. Donc ils ont gardé un lien très fort avec la culture et leur héritage ancestral. Ils l'ont gardé précieusement et jalousement pour le préserver jusqu'à ce jour, malgré les difficultés qui leur ont été imposées, notamment la force de rejeter leur culture par l'esclavage et la colonisation. Mais ils ont résisté, ils ont continué à garder le Congo dans leur cœur, le Congo dans leur tête et le Congo dans leur vie active. Et donc j'ai été les rencontrer et ils ont décidé de me couronner aussi comme reine des Afro, des Congo descendants du Panama, et m'ont demandé d'aller porter dans le monde entier le message comme quoi les descendants Congo du Panama sont là, les descendants Congo du Panama sont forts, les descendants Congo du Panama sont fiers. Et c'est un acquis pour le Congo, la RDC, parce que ces descendants-là nous appartiennent et il est important que nous utilisions ces plateformes pour développer et reconsolider les liens avec les descendants de nos ancêtres qui ont été déportés du Congo pour partir à l'étranger. Parlez-nous de la place ou l'importance de la musique Rumba dans le développement de la culture et du patrimoine congolais. La musique Rumba, qu'on appelle aujourd'hui Rumba congolaise, qui est d'origine Congo, mais qui s'appelait Nkumba, n'est-ce pas, avant de revenir chez nous et d'être appelée Rumba, est une musique qui est un petit peu l'ADN hein, du Congo, l'ADN énergétique du Congo, parce que en fait c'est ce rythme, c'est ces vibrations, c'est ces instruments sacrés qui sont les tambours, c'est ces rythmes qui sont des rythmes de mathématiques fractales, donc des codes de mathématiques fractales qui sont aussi un symbole de la quête vers la réunification toujours de peuple Congo pour la recherche de l'équilibre Congo. Donc c'est un message très important que le Congo doit utiliser parce que dans le monde, quand dans le Congo qui s'est réinventé outre-mer, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, le Congo s'est réinventé outre-mer dans pas mal de différentes nations, en Haïti, à Cuba, au Brésil, en Colombie, à Panama. Donc partout où le Congo est allé, il a posé ses marques en utilisant cette musique qui s'est valorisée par le développement de plein d'autres musiques qui nous sont revenues aujourd'hui, comme la rumba des Caraïbes, la kumpa, la compa, la samba, toutes ces musiques-là sont inspirées, et même le jazz des Afro-descendants des États-Unis sont inspirés de cette musique. Et en fait, c'est comme un symbole de notre résilience et de notre force. C'est un symbole qui nous permet de nous rapprocher de nos ancêtres par le fil du temps, parce qu'on est parti d'ici, nous sommes allés ailleurs, mais nous sommes revenus avec cette musique. Et aujourd'hui, cette musique est reconnue par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Et donc, c'est une musique qui peut être en fait notre cordon ombilical à notre passé, et aussi notre cordon qui va nous projeter vers l'avenir en réunissant la famille Congo du monde et en la ramenant ici au nombril de cette musique qui est la terre sainte, la terre sacrée du Congo, Congo-Kinshasa ou du Congo, du bassin du Congo en général. Parle-nous de la place que la femme congolaise a par rapport à l'égalité du genre. Eh bien, vous voyez, je suis femme roi. Ça veut dire beaucoup. Je ne suis pas la première femme roi au Congo, et nous avons eu beaucoup de femmes rois, parce qu'en fait la royauté ne se définit pas par le genre, la royauté se définit par la fonction et l'énergie donc de la royauté. Souvent ce sont des hommes qui sont assis sur le trône. Pourquoi ? Parce que le trône lui-même est une entité féminine, et l'homme représente l'autorité qui est assis sur le pouvoir
s'approprier l'identité féminine. Donc c'est assez rare effectivement qu'il y ait des femmes qui soient assises sur le trône, mais ça ne veut pas pour autant dire que les femmes sont inférieures ou les femmes ne sont pas puissantes. La femme africaine a toujours tenu un rôle de grande importance dans les sociétés, dans le développement socio-économique et dans tous les domaines de la société africaine. Nous n'avons jamais eu l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Ça a toujours été une égalité, mais une égalité dans la différence, puisqu'il y a effectivement une différence. Nous ne sommes pas les mêmes que les hommes. Nous avons donc bien sûr des différences. Et c'est plutôt une complémentarité qui est encouragée ici en Afrique dans nos traditions. Mais il y a eu des femmes rois, comme la reine Zinga par exemple, ici dans la région du Congo, était aussi une femme roi. Une des femmes rois africaines est aussi la grande dame qui est la reine, le pharaon Hatshepsut, qui est aussi une femme roi. Donc il y en a plusieurs, il y en a aujourd'hui encore dans d'autres cités, dans d'autres pays africains, qu'on appelle par exemple les Oba Obirin chez les Yoruba du Bénin et du Cameroun et aussi du Nigeria. Il y a des femmes rois. Donc l'Afrique traditionnelle ne fait pas une différence entre les hommes et les femmes, si ce n'est que la différence est fonctionnelle et que les femmes sont meilleures à certains rôles et que les hommes sont meilleurs à d'autres rôles. Mais la femme représente le pouvoir du peuple et l'homme représente l'autorité. Et c'est un concept qui doit travailler en harmonie et en collaboration. Donc les femmes africaines doivent retrouver leur place, parce que la déchéance de la femme africaine au second plan, c'est une déchéance qui nous vient de religions importées, des religions musulmanes et chrétiennes, qui ont, eux, une vision de la femme un peu différente et qui ont apporté cette division entre le pouvoir de la femme et le pouvoir de l'homme. Mais chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Chez nous, la fille a autant de valeur que le garçon. Et c'est simplement après plusieurs siècles qu'on a commencé à adopter des comportements qui n'étaient pas de notre société, qui venaient d'autres cultures exogènes. Donc il est important que les Africains se portent fort et qu'ils se lèvent en disant que chez nous en Afrique, nous avons toujours eu une égalité entre la femme et l'homme. Nous avons eu des rôles différents puisque nous sommes spécialisés dans des rôles différents, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une infériorité quelque part. Au contraire, le rôle que joue la femme est même très très important et très sacré même. Parce que la femme, le rôle de la femme dans la société africaine est un rôle sacré. C'est elle qui porte la vie, c'est elle qui apporte les enfants, qui met au monde les futures générations, qui sont en fait les réincarnations de nos ancêtres, puisque chaque enfant est une composition de tous les ancêtres qui les ont précédés. Donc la femme est très sacrée parce qu'elle a un lien direct avec l'ancêtre primordial, qui est le premier ancêtre, qui est le plus ancêtre, qui est Dieu, qui crée tout. Donc Dieu passe à travers la femme pour mettre la vie au monde. Et donc en Afrique, aucunement dans nos cultures, on a dénigré les femmes, aucunement dans nos traditions, on a atteint à l'intégrité morale, physique, spirituelle, intellectuelle d'une femme. Ces traditions, souvent qui nous sont attribuées, sont souvent, quand on fait des recherches, des traditions qui nous viennent de l'étranger, qui nous viennent d'autres cultures et pas de nos cultures. Donc c'est important que les Africains divorcent aussi de certains concepts qui sont des concepts exogènes à l'Afrique et qui ne nous servent pas aujourd'hui à édifier l'Afrique. Donc les Africains doivent faire une recherche fondamentale pour voir quelles sont réellement leurs valeurs et les remettre à jour, bien sûr, les appliquer dans les cas où elles sont celles qui vont édifier notre peuple, notre pays. Voilà. Parlez-nous de votre partenariat avec l'événement Rumba in the Jungle et de sa plateforme Kumba. C'est un événement formidable qui m'a enchantée dès que j'ai appris sa connaissance. Je suis un peu distraite, je vais recommencer. Recommencer, il n'y a pas de problème. Le tableau était important, ça me parlait de ça. Non, c'est pas grave, tu dis. Il tombe avec le vent. Oui, j'ai essayé, mais à d'autres angles, c'est compliqué. Je ne peux plus arriver là-bas. Je me limite là, je te fais deux ans. Vous pourrez prendre des prises. Elle a fait déjà. Non, remets-le, parce qu'il risque de tomber. Ça va faire un contre l'arbre, peut-être. Donc, je recommence la question. Oui, recommence la question. Parle-nous de votre partenariat avec l'événement Rumba in the Jungle et de sa plateforme Kumba. Eh bien, quand j'ai appris le développement de cette belle plateforme Kumba Art,
qui est en fait un festival qui s'appelle donc Rumba in the Jungle, qui est un festival qui met en valeur justement cet héritage de la rumba, pas seulement au niveau de la musique, mais au niveau de la philosophie de la rumba, parce que derrière rumba, il y a une cumbre, il y a toute une histoire, toute une philosophie, toute une connaissance d'un équilibre, d'une harmonie avec la nature, avec la création divine, avec l'homme qui est au centre de cette création. Et donc la vision de la Nkumba est une vision qui est portée par ce festival. Et donc quand j'ai appris ça, j'ai compris que j'avais en fait un ADN tout à fait identique à celui de ce festival et à celui de la plateforme KumbaArt, qui est une plateforme qui veut mettre en valeur tout ce que nous avons apporté au monde comme valeur ajoutée, parce que nous avons cet héritage riche et multiple et divers, et nous voulons l'utiliser pas seulement comme vecteur pour montrer une vitrine de l'Afrique et du Congo, mais aussi pour l'utiliser pour faire des réformes au niveau de nos comportements, de notre éducation, de notre structuration sociale et économique. Donc il y a lieu d'utiliser cette plateforme pour faire en fait beaucoup de projets et pour commencer là à faire des workshops et à travailler avec divers agents, diverses institutions nationales pour être un outil en fait pour ces institutions pour apporter cette valeur ajoutée qui est l'héritage que nous avons donc de cette Kumba, qui n'est pas seulement l'art, la musique, la danse, l'art plastique, la mode, la cuisine, mais qui est aussi une façon de voir le monde, une façon de comprendre le monde, une façon de s'intégrer dans le monde pour la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Donc c'est important pour moi de travailler avec les acteurs qui sont ceux qui sont sur place en train de mettre à ma disposition ces outils et à disposition de toutes les institutions que nous avons ces outils pour pouvoir donc générer ces retombées économiques, ces retombées au niveau de la culture, du tourisme et bien d'autres choses encore. Merci. Vous pouvez peut-être juste, ça c'est en clin d'œil, je n'avais pas mis ça dans les questions. Est-ce que vous pouvez faire une invitation à l'événement, un rendez-vous, comme ça, qu'on se rencontre en anglais, sans date. Okay. Rencontre-nous, je vous invite à nous rencontrer à Rumba in the Jungle en 2023, voilà. En anglais. En anglais, en français, en anglais. Allons-y en français, en anglais alors. Eh bien, puisque le festival aura lieu en 2023, la deuxième édition, moi, je suis très fière de faire partie de l'équipe de ce festival et de vous inviter personnellement à venir nous rejoindre pour célébrer cette culture extraordinaire qu'est la culture Congo, qu'est la culture Nkumba. Je vous invite donc à venir au Congo, de venir à la découverte de cette culture avec notre festival. I am very happy to invite you to the festival that's going to be in Congo next year, 2023. I am part of the team and I am so pleased to invite you to come to see for yourself the greatness of the culture of the Congo people through the eyes and the understanding of the Kumba tradition. That is a tradition that is thousands of years old. We are awaiting all the African descendants to understand that this heritage is their heritage too, and to come and celebrate it and learn about it with us here in the Congo. Merci, Son Altesse. Thank you so much. Bravo.